Oui, Pofias. Que ce soit la toute première, la dernière fois que tu appelles ce numéro, tu as compris? Je suis mariée maritalement avec lui, officiellement, officieusement, à la mairie, partout, tout le Cameroun nous connaît. Je ne veux plus jamais que tu appelles ce numéro, tu as compris? Ramasse cette racaille comme toi. Façon dont j'ai souffert avec lui, je ne peux pas permettre qu'une femme comme toi vienne m'arracher mon mari. Tu as su... Oui, maman. Aïe. Mais... Pourquoi tu m'as pas dit que c'était maman? Allô? Oui. Non, comment tu peux dire ça? Je n'ai pas oublié. Les temps n'étaient pas favorables. Raison pour laquelle je ne t'ai même pas parlé de ça, parce que je voulais gérer moi-même mes problèmes comme un grand. Non, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Ton dépôt est toujours d'actualité. Oui, ça va déjà, j'ai géré mes problèmes, ça va. Ok. Demain à la première heure, je te fais ton dépôt. Chap, chap. Oui. En passant, tu avais parlé de combien? 150 000, 200 000. Ok, j'arrondis à 200 000. Demain, je te fais ton dépôt. Chap, chap. Adi, c'est à moi que tu fais ça. Oui, mon cœur est brisé. Adi, après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, aïe, mon cœur fait mal. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Adi. Aïe, oh, mon cœur va lâcher. Les habits, c'est moi. Tous ces canapés, c'est moi qui ai acheté. Tous tes vêtements, c'est moi qui achète. Le téléphone que tu as en main, c'est moi qui achète. Tu oses prendre ce même téléphone, tu t'assois sur le canapé que j'ai acheté pour appeler une autre gonzesse que moi, Adi. Oui. Arrête ça. Je n'arrête pas. Arrête ça vite. Je n'arrête Prends ça, pas. tu m'as à l'oreille. Prends le téléphone là-bas, tu m'as à l'oreille. Prends ça. Oui, Pofias, que ce soit la toute première, la dernière fois que tu appelles ce numéro, tu as compris? Je suis mariée maritalement avec lui, officiellement, officieusement, à la mairie, partout, tout le Cameroun nous connaît. Je ne veux plus jamais que tu appelles ce numéro, tu as compris? Ramasse cette racaille comme toi. Façon dont j'ai souffert avec lui, je ne peux pas permettre qu'une femme comme toi vienne m'arracher mon mari. Tu as su... Oui, maman. Aïe. Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était maman? Tu as fini? Hey. Tu as fini? Ne sais même pas. Vous, les femmes, je sais. En tout cas, je ne veux même pas. Je ne veux pas les mots de tête où je suis là. Je suis même d'abord dépassé, même d'abord. Tu sais que parfois les hormones me dérangent. Parfois, tension par-ci, tension par-là, et c'est même pas moi. Et en plus de ça arrive comme ça. Tu sais que c'est comme ça que je suis. Et en plus de ça. Tu m'aimes comme ça, non? Donne-moi mon téléphone. Je suis pas venue faire les problèmes, je suis seulement venue te dire que je suis en train de faire ton plat préféré. Tu peux m'appeler ma mère, elle vient à la maison, elle vient dîner avec nous. Et tu sais qu'il faut lui donner combien? 150, 250 000. J'ajoute 50 000 sur son argent, t'inquiète même pas.
C'est quand même ma belle-mère. Ben, ne te fâche pas. Tu sais que je suis ta femme. C'est comme ça que je suis. Et tu peux l'appeler maintenant. Hein. Appelle-la. Tu dis qu'elle est en train de blaguer. Tu sais que les problèmes de couple restent entre couple. Appelle alors. Bon, je vais te faire ton plat préféré. Ok. Appelle maintenant. Appelle maman. Les femmes. Les femmes. Vraiment. En tout cas. Allô?